Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo swap. On va ouvrir ce carton, c'est pas moi qui vais l'ouvrir, c'est mon chéri, c'est Bibu qui va l'ouvrir. Ça c'est moi qui l'ai préparé pour lui. Mais avant de laisser ouvrir ces petits cadeaux, je voulais faire 2-3 précisions qui me semblaient importantes. Première chose, c'est qu'on a décidé de faire un swap parce que Bibu avait découvert et adoré le principe lors de mon précédent swap. Et donc il a eu envie d'en faire un avec moi aussi. Il n'a pas du tout de chaîne YouTube, hein. Il connaît pas du tout ce milieu là. Donc il a découvert les swaps il n'y a pas très longtemps. Il a adoré, il a voulu en faire un, on devait le faire pour Noël. Mais finalement on a appris au dernier moment qu'il devait partir pendant la période de Noël, pendant plusieurs mois pour faire la saison dans les Alpes. Du coup il ne sera pas là pour Noël, du coup lui va l'ouvrir en novembre. Donc là on est le dernier dimanche de novembre. Pour vous ça sortira en même temps que le swap que moi j'aurai ouvert à Noël. Donc pour vous ça sortira après Noël, juste après Noël je pense. Mais sachez que lui il est obligé de l'ouvrir maintenant en fin novembre parce qu'il a déjà beaucoup de trucs à emporter. Il pouvait pas emporter le swap avec lui, c'était compliqué. Bref, voilà, pour plein de raisons, lui va l'ouvrir aujourd'hui, donc toute fin novembre. Et surtout, je voulais faire une précision sur Bibu. Donc il s'appelle Alexandre, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais personne ne l'appelle par son prénom. Donc voilà, moi je l'appelle Bibu, lui m'appelle Bibu aussi, bref. Je voulais surtout préciser qu'il n'aime pas du tout les caméras, les appareils photo. Mais quand je dis du tout, c'est vraiment, il a un gros problème avec ça. Dès qu'il y a une caméra, un appareil photo devant lui, il se ferme, il est pas bien, il dit plus grand chose. Donc il est pas comme ça dans la vie, il est très gentil, il est très énergique, même il chante tout le temps. Mais devant les caméras il a vraiment beaucoup de mal. Je n'ai même pas de photos de lui, soit de lui tout seul, soit de nous deux ensemble. Je n'ai même pas de photos, on n'en a jamais fait. Ou alors une il y a des années et des années. Bref, donc c'est vraiment un exploit qu'aujourd'hui ils veulent bien filmer cette vidéo. C'est lui qui a voulu, donc je suis choquée qu'ils veuillent bien faire cette vidéo. Donc voilà, c'est normal s'il est pas à l'aise. On va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo du coup, mais c'est pour ça que je la fais sur la chaîne de vlog. Je me suis dit que vous alliez être sympa avec lui, que vous alliez être indulgent, et ça vous donnera peut-être quand même des idées de cadeaux que vous pouvez offrir à un homme. On voit pas souvent des swaps pour les garçons, et je trouve que la formule swap est très très sympa pour Noël. Ça évite d'acheter un gros cadeau, on sait pas toujours quoi acheter, surtout pour les garçons, moi je sais jamais quoi acheter. Là, plein de petits cadeaux, je trouve ça sympa, c'est sympa à ouvrir aussi. Donc je vais attendre qu'il arrive et on va ouvrir tout ça ensemble. T'as vu au fait que c'était nous? Ça c'est la petite lutine qui dit joyeux Noël, oui. Bibu. Et ça c'est Bibu. Ouais, j'ai pas vu. Qui dit ouais, plein de cadeaux. Mais moi pendant la vidéo je parle pas, hein. Non, j'ai pas dit que t'aimais les bonsaïs. Mais ça c'est le bonsaïto à Bibu que je vais devoir garder en vie, et ça c'est pas gagné. Allez. Quoi? C'est vrai, tu sais bien que peut-être il va décéder. Ouh, s'il est beau. Oh mon ami, il s'est tordu. C'est un petit sapin, donne, je montre le petit sapin. C'est le menu. Allez, allez. C'est Bibu qui lit, parce que moi j'aime pas. Le petit papier. Mais le de côté, je le récupère ça. Ah bien, c'est ça que je garde. Allez. Je montre le cadeau. Mais je l'ai. J'ai déjà filmé, mais je leur montrerai à part. Ok. J'ai déjà tout prévu. Attends, il faut que je lise le truc. Merde, sois pas si pressée. Alors, le 1, c'est pas exactement ce que tu voulais, mais je l'ai trouvé tellement beau. S'il est dur, et je sais pas du tout ce que c'est. Moi, je l'aime beaucoup. Passe-moi les papiers et tu mettras les cadeaux de l'autre côté, on va pas tout mélanger. Un bloc-notes, hein. Parce que le mien il était tout pété. Oui, mais tu voulais un avec un rabat dessus. Ah oui, bah oui, sinon c'est pas nul, c'est nul. Attends, je montre. C'est un petit carton pour mettre les papiers dessus. Là il y a une petite pince, on met le papier et c'est pour écrire sur un truc rigide. Et je le trouvais trop mignon, en fait. En plus il fait masculin, je trouve. Voilà. Voilà, un cadeau. Le 2, ça sert toujours et je l'aime beaucoup. Ça sert toujours, j'aime beaucoup. S'il y a un vêtement, donc un t-shirt, en V ou pas en V? Je sais pas. Oh, il est joli.
C'est des petites lignes de triangle. Donc je montre. Hop. C'est un petit t-shirt gris bleu. Ah, il y a une petite poche. Oui, petite poche. C'est pas le briquet. Ouais, si tu veux. C'est pas en V, il voulait un t-shirt en V, mais bon. Et ouais, c'est pas en V. Hein. Oui, bah j'ai trouvé celui-là. Allez, 3 pour Bibu Gourmand. Petite 10 chocolat. Je m'en rappelle pas ce que c'est. Ah si, je sais ce que c'est. Petite pas 10 chocolat. Ah, dis piti, j'aime bien le Milky Way, c'est trop bon. Je vous ai pas dit, en plus, c'est le cousin du Père Noël, mais ça se voit. C'est du chocolat. J'aime bien le chocolat. Du chocolat en poudre de la marque. Attends, ça se dit Milky Way. Milky Way, il connaît mieux que moi. Hein. Moi, j'aime pas le chocolat. J'adore les Milky Way. Moi, j'aime pas le chocolat. C'est bon, le Milky Way. 4 pour Bibu, très gourmand. Ça, si tu trouves. Ah, ben non, c'est trop dur. Fort. Ça. C'est dur. Tu trouveras jamais. Vas-y, ouvre. Non. Mais là, c'est pas du sachet. Non. Pas du tout. Je sais même pas si quand tu vas voir. Si, il doit y avoir un dessin qui dit ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Un coupe-pomme de terre. C'est pour couper en forme de frites. Parce que toi, tu mets 3 plombes à couper tes frites au couteau. Là, c'est tu pas mets... vrai. Bah, c'est plus rapide avec ça. Tu mets ta pomme de terre dedans, t'appuies. Et ça te fait des formes de frites tout seul. Il nous en fallait un en plus. Parce que Bibi mange des frites tout le temps. C'est pas vrai. Un peu souvent quand même. Si, il adore les frites. Madame, cadeau. On en est où? Le 5. J'espère que j'ai pas acheté une bêtise, mais ça servira toujours pour quelque chose. Ça, c'est un truc que tu voulais. Mais je suis tombée sur ça et c'est pas exactement ce que tu voulais, je crois. Mais moi, je trouvais ça bien. Peut-être un outil, peut-être je sais pas, peut-être on dirait un truc en bouteille. J'avais dit un outil, un petit sécateur. Il est un peu bizarre. Je me suis dit que c'est parce que c'est pour les petites branches, les tiges. Je me suis dit que ça pouvait faire pour les bonsaïs parce qu'il y a marqué pour les arbustes décoratifs, les bouquets ou les tiges fines. Ouais, mon bonsaï, il est petit, hein. Bah, c'est pour les petites branches. On verra. Ça va pas, ça veut dire ça. Ah, il est gros, là, pour les bonsaïs. Bon, enfin, bref, voilà. Si tu veux pas, ouais. De toute façon, moi, je m'en servirai. Non, non, tu piques pas mes cadeaux. 6, on sait jamais, tu vas peut-être te découvrir une passion pour les dinos. Pour les dinos? Oui. Les dinosaures? Oui. Moi j'aime bien les dinosaures. Ah bah tant mieux. Ah, il faut ouvrir. Ah c'est... Je sais pas si je monte la boîte ou je l'ouvre? Bah voilà si tu veux. Un petit. Mais on voit pas parce que s'il faut faire le chaud. Attends, ou c'est... le froid. Là il y a le petit dessin. Oui je l'ai vu. Ça devient un petit dinosaure vert. Un petit T-Rex. C'est un mug, il veut pas faire la mise au point sur le... Oh c'est loin. Voilà, c'est un mug. Alors là, c'est tout bleu. Et quand on met un truc chaud dedans, ça devient un petit dinosaure. Et il y avait aussi la petite licorne. Tu l'as pas vue? C'est un Flying Tiger. Ah non, je l'ai pas vu. Il existe aussi avec une petite licorne. Pour boire mon café. Tiens, je te laisse ta boîte si tu veux. Et voilà, donc pour l'instant, il ressemble à ça. Mais après, quand on met la boisson dedans, il y a un petit dinosaure. Ben, j'ai appris que t'aimais les dinosaures. Je savais pas que t'aimais les dinosaures. Ah oui. 7, je suis pas sûre qu'elles te plaisent toutes. Toutes? Oui, parce qu'il y en a plusieurs dans le même petit cadeau. Je dirais des petites tartelettes, Yankee Candle. J'aime bien. Alors, truffe de cappuccino. Je sais pas si je vais sentir avec ma barbe. Mais on sent pas trop à travers, je trouve. Moi, ça sent. Bah, truffe de cappuccino, c'est bizarre pour l'instant. Pomme sucrée. Ah, j'aime bien la pomme sucrée. On ne sent pas trop. Non, on sent plus le sucre que là, par exemple. On les sent pas trop à travers. Les crépuscules chaleureux. C'est un peu plus sûr. Ils sentent bon. Ça va, tu les aimes bien? Ouais, ils sentent bon. Voilà, donc petite tartelette Yankee Candle. Vous les connaissez de toute façon. Après le 8, c'est ça? Le 8, ça par contre, tu devrais aimer.
Ah, je sais pas, on dirait des vernis, je n'aime pas. Des vernis? Je t'ai parlé. Ah, des huiles essentielles, des pour mon diffuseur peut-être. Ah, ah. T'es fort. Oui, je suis fort. Huile de coco, enfin noix de coco, j'adore la noix de coco. Et fruits rouges, ah, j'adore les fruits rouges. Mais sans l'œil, il est spécial, je trouve. La noix de coco, par contre, elle sent bon. Donc en fait, c'est des petits trucs de parfum. Ça va mettre dans les diffuseurs d'huile essentielle. Ça, c'est pas des huiles essentielles, c'est juste un parfum. C'est pas des huiles essentielles, mais ça marche pareil. On met quelques gouttes dans le diffuseur et ça sent bon. T'aimes bien? Moi, j'aime bien, mais j'arrive pas à... Ça me fait penser à quelque chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Ça fait sucré, non? Mais ça fait pas trop fruit rouge, je trouve. Par contre, ça, ça sent si, vraiment ça fait de fruit rouge. C'est pas loin de la grenadine, un peu. La grenadine. Mais la grenadine, c'est que des fruits rouges. Ah ouais, c'est vrai, ça fait grenadine. Mais oui. Ça sent la grenadine. Je vois tout le temps de la grenadine, je sais. Allez. C'est cool. Hein. C'est bien. Eh, le coco, ils sont bons. Ouais. Ils sont j'aime. 9. 9. Que la force soit avec toi. Ah, c'est Star Wars, ça, ça veut dire. Des petits stylos. Des petits stylos Bic, parce que Bibi voulait des nouveaux stylos Bic. Et un petit cahier Stormtrooper. Ah, c'est le monsieur qui s'appelle comme ça? Oui, c'est le Stormtrooper. Je connais pas Star Wars. Donc voilà, petit cahier à spirale. Et à l'intérieur, il y a des petits bonhommes aussi. Des petits Stormtrooper. Oui, Stormtrooper. je sais jamais où on en est. 10, non? Tu penseras à moi sous la neige. Si l'idée est vêtements. Peut-être des gants. Mais je sais pas si le motif ça ira. Il a un truc plus neutre que ça. Mais j'ai pas trouvé. J'ai pas pensé à ça. Attends, il est scotché. Bah tiens, non. Ah ouais, mais faut pas le péter. Une petite écharpe légère, parce que j'aime pas trop quand c'est. Oh, tu sais. Parce que Bibi il avait pas d'écharpe. Il part à la neige, alors il faut une écharpe. Ouais. Alors, le 11, au moins ce sera facile à mettre dans la valise. Un porte-clés? Ça fait le bruit d'un porte-clés. Peut-être pas. Ça, je pense que tu vas aimer quand même. Parce que tu m'en parles tout le temps de ça. Tout le temps. Tout le temps. Walking Dead? Je sais pas. On parle beaucoup de Walking Dead. Oui, c'est les Walking Dead. Je suis trop fort. C'est un porte-clés arbalète Walking Dead. C'est bien arbalète? Bah oui, c'est mon personnage préféré. Merveilleux alors. Alors je vais essayer de montrer ça, mais comme c'est tout petit. Ah, je vais changer mon porte-clés. C'est un petit porte-clés Walking Dead avec une petite arbalète. Voilà. T'as ton petit cadeau Walking Dead. Oui. 12, c'est 12. Ça? Et ça, tu peux directement le prendre sur toi. Le prendre sur moi? Oui. Ah, ça, j'ai pas d'idée, ça. C'est un peu mou, un peu. Je sais pas. Direct sur moi, je vais pas dire. Bah, tu peux en prendre un sur toi. Tu Billy Boxer. Attends, faut que je l'ouvre. Ça, c'est un noir, il est ouais, tout simple. Ouais, tu vois, il est basique. Je veux voir le pas basique. C'est des petits boxers Lee Cooper. Faut tout péter. Bah, oui, tiens, on s'en fout. Voilà. C'est des petits cubes. Il est mignon. 13, c'est ça, oui. On arrive au cadeau. Oh non, pas le 13. C'est le pourri. Oui. On arrive au cadeau bien nul, mais sur un malentendu, ça peut passer. Alors. Non, mais ça non plus, tu tomberas. C'est un tampon géant. Ah ouais, ça je sais pas. Même à emballer, c'était rigolo, hein. Ah, je vois ça, ouais. Ah, j'aurais pas. Ouais. C'est pire que mes cadeaux à emballer encore. Hein. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est, on dirait une ventouse, mais il y a un téléphone. C'est pour. C'est parce que j'ai demandé à la vendeuse si elle avait des petites enceintes.
Bluetooth parce que en fait j'avais presque fini mon swap, mais je voulais ça et j'avais plus beaucoup de budget. Alors elle m'a dit non mais ça c'est super et tout, mais j'ai essayé de mettre mon téléphone et ça fait pas grand chose en fait. C'est à la place d'une enceinte Bluetooth, tu mets ton téléphone et c'est censé faire du son plus fort. Ouais, bah y a pas de sortie le truc. Bah si, là tu mets ton téléphone, ça passe par le petit machin et ça amplifie le son. Ah, faut mettre le son là quoi. Ouais, bah ça doit être nul, mais c'était le cadeau rigolo quoi. Ah oui, t'es sûr que c'est rigolo, hein. Je te sens super emballée, donc voilà, ça ressemble à ça. On met le téléphone juste là et normalement c'est censé faire plus de son. Mais il faudra voir c'est un carton, moi j'ai essayé, j'ai pas trouvé que c'était dingue, mais on verra bien. Non, je trouve pas ça dingue. Ah, t'es pas gentil. Oh, ça va. Hein. 14, au moins cela, ta crevette est sûre que tu vas aimer. Oui, parce qu'il m'appelle crevette des fois. C'est un indice, crevette. Ah, des chocolats encore. C'est les chocolats que j'aime bien, peut-être au praliné. Et oui! Je les ai trouvés! Et oui, tu m'as menti! Non, je les ai trouvés quand tu m'as dit après! Je les ai trouvés après, j'y suis retournée! Ah. C'est des pralinés au chocolat que j'adore depuis que je suis tout petit! Voilà, chaque année! Ils sont bons, hein! Chaque année, ils m'en parlent, mais je savais pas où les trouver. En fait, c'est pas avec les autres chocolats, c'était à la caisse. Enfin, c'était pas à la caisse en plus, c'était dans un endroit bizarre. Enfin, bref. Tu vas me régaler. Oui, mais faut pas que tu manges tout avant de t'en aller, tu vas être malade. Bah non, je partirai avec. 15. Oui. C'est léger, mais j'avais envie de tester. Ah, un parfum, parce que ça fait. Mais toi, en faisant ça, ça te fait penser à un parfum, toi. Tu devines tout. Bah t'as dit c'est léger, un parfum c'est léger. Et quand tu tapes ça fait gloum gloum comme un parfum. Ouais. Je connais pas beaucoup les parfums. Non mais je connais pas non plus. Non. On le sent toi. Si tu veux. Ouais, il sent bon. Fais voir, j'en souviens pas, ça fait longtemps que j'ai acheté. Ouais ça va. On dirait le Lacoste en plus léger. On en est où là? On en a la moitié non? Plus qu'à la moitié, on a déjà fait le 15, ça. 16 pour Bibu Bricolo. Ah, c'est une boîte, je peux pas deviner. C'est peut-être des embouts de, pour visser, pour... Ah, j'ai oublié de machin. Ah, c'est pas les mêmes partout, non, je crois, si. Non, il y en a des rouges et des verts. Ah. Et quand j'ai emballé avec un nœud rouge, j'ai écrit en rouge. Ah, eh bien. Pour que tu repères mieux. Ah non, c'est des forêts. Oh, c'est cool. Parce que j'en avais pas beaucoup. Ça, c'est Dilly Bois. Et ça, c'est Dilly... Ah, pierre. Ouais. Je savais même pas que ça existait. Tu m'avais dit quoi déjà? Béton. Bah, béton, ouais. Et du coup, je me suis dit c'était peut-être pareil. Ouais, bah rien. Oui, ça doit être pareil. Comme ça, j'ai plein de forêts. Bon, c'est des petits forêts. Pour lui faire du bricolage à elle. Oui, c'est vrai, tu fais jamais rien pour bah oui, c'est vrai. 17, ça c'est pour Bibu, bricolo et maniaque. Parce que Bibu, il range tout bien comme il faut. Tout aligné. Pour mettre mes petits vis dedans. Une boîte de rangement, alors. Hop. Une petite boîte. Je sais pas où ça s'ouvre. Voilà. Je me suis dit que tu pouvais le mettre dans ta grosse boîte à outils. Ouais. Pour ranger plein de petits vis. Là, ça s'enlève. Là tu peux enlever le compartiment, le remettre, tu fais comme tu veux. Et là c'est pour mettre des tout petits trucs. Ouais, c'est pour mettre des petits vis, des clous et tout, c'est sûr, c'est mieux qu'en bordel quoi. 18 et un de plus parce qu'il est plus original. C'est un truc que t'as déjà eu avant. Ah non, je vais dire un mug mais il est sans hanche du coup. Je préférais celui-là moi. Bah je sais pas du tout là, une bougie, j'ai pas d'idée des fois. Hein. C'est bien. Ah oui, j'ai pas vu mais ouais. Ah, j'ai peur. Hein? Le capot est parti mais il est scellé. C'est du petit chocolat. Mais celui-là c'est... Aux amandes. Voilà. Ouais, j'aime bien les amandes, c'est bien. C'est bien. 19. C'est bientôt la fin. C'est un peu comme si je t'offrais un mug. Un peu, on dirait pas en céramique, alors un mug en pas mug. C'est pas un mug, je te dis, c'est un peu comme si je t'en achetais un.
C'est un peu comme si je te... Ah ben ça aide pas ça. T'as pas d'idée? Non. Une boîte. Mais eux ils peuvent pas comprendre, mais toi normalement tu peux comprendre. Ben un mug, c'est comme si je t'achetais un mug. Qu'est-ce qu'il est sous ça? C'est un bois crayon. Ah mais en plus je voulais dire, mais un mug c'est pas un rapport avec les mugs. Et parce que tu les mets où tes crayons? Dans un mug. Donc ton mug tu pourras t'en servir comme mug. Ah c'est pas bête ça. Parce qu'il a un joli mug qu'il adore et il met les crayons dedans parce qu'il a pas de pot à crayon. Du coup j'y offre un pot à crayon et le mug il peut s'en servir. Eh oui, surtout qu'il est beau mon mug. 20, c'est ça, je sais jamais où on est. Pour ne pas abîmer tes jolis mèmes. Des gants. Ça c'était facile. Bah ouais. Des petits gants avec des grip pour agripper des outils. Ah j'ai pas montré de chocolat au fait. Attends, je vais montrer le chocolat. Voilà le petit chocolat que j'ai trouvé. Il y en avait trois différents je crois. Il y avait aussi chocolat blanc. Et l'autre je me rappelle pas. Tiens, petit gant, voilà, c'est des gants de bricolage, hein. Rien de spécial. Après 21, c'est bientôt la fin. Je languis que tu ouvres le 24. Oh, moi, je languis pas, je veux d'autres cadeaux. Oh, ça va, c'est pas fini, il en reste. Ouais, que 4. Hein. Ouais, mais ils sont cool. Le dernier est super cool. Ouais, c'est bon. Toi qui dis ça. Hein. Oh, mais j'espère, hein, si t'aimes pas le 24, je suis dégoûtée. 21, il est tout trop. J'étais pas sûre de le prendre, mais comme tu vas manger beaucoup de raclette, ça devrait aller. Je vois pas le rapport entre la raquette, ça a l'air d'être un vêtement. Ça veut dire que je vais être gros, ça, peut-être. Ou une veste, un gilet. Une veste, c'est un petit bombers. Ouais, ouais. C'est cool les bombers. T'en avais pas? J'aime bien les bombers. Et il faut en avoir un. Ah, bah si. En plus, il est tout le temps en t-shirt, alors au moins il aura une veste. Là-bas, je serai pas en t-shirt. Hein. Ben j'espère. Au moins t'auras une veste, t'auras une écharpe. Ouais, des écharpes. J'aime bien, c'est tout doux. J'aime bien cette matière. Ensuite, ouais, bah, j'avais peur qu'il soit un peu trop grand. C'est du L, non? Ah, je sais pas. Et je le trouvais grand. Oh non. C'est quoi? C'est pas du L? Si, c'est du L. Si, c'est du L. Bah, je trouve pas si grand que ça, moi. Moi, sur moi, je l'ai essayé. Il était un peu trop grand, hein, quand même. Enfin, j'avais l'impression qu'il était grand. Voilà, voilà. Ensuite, 22. Il ne ressemble pas à Ficelle, mais il est mignon quand même. Ficelle, c'est son petit chat. C'est un chat? C'est un chat. C'est un truc que tu avais vu chez moi un jour et que tu ne l'avais pas dit à moi, je crois, mais tu avais trouvé ça mignon et j'ai entendu que tu l'avais vu. Ah bon? Du coup, j'en ai racheté pour toi. Ah oui, c'est mignon. En plus, j'en ai pas. C'est pour poser sa tasse dessus. C'est un dessous de verre. Ah oui, j'en viens. Moi, ils sont tout moches, les miens. C'est même pas des vrais dessous de verre. Voilà le petit chat. Et le bomber, on l'a pas montré de l'autre côté, non? C'est pour poser mon petit dinosaure. Voilà un petit peu le petit bomber, ce que j'ai acheté à H&M. Parce qu'ils faisaient plein de promos à H&M il y a quelques temps, la fin novembre. Plus que deux. Ouais, je vais commencer à être triste. Hein. J'avais envie de tous les prendre pour moi aussi. Ah oui, alors ça je sais que tu as. Je sais ce que c'est. C'est des cottages. J'aime bien les cottages. Tu sais la forme? Ah oh, bah ouais, je connais. Hein. Attends, j'adore ça. Oh, hein. Il sait tout. Celle qui m'avait fait découvrir les cottages. Ouais, parce que lui, il aime bien les dopes. Ouais. Et moi, pour changer, j'avais acheté un jour un cottage. Et il avait bien aimé. C'est celui que j'avais déjà eu, il est trop cool celui-là. Ouais, j'ai acheté celui-ci, cerise noire et pistache. Trop trop cool, c'est mieux que les dopes, hein, pour ceux qui veulent tester. Moi j'aime bien les dopes. Moi aussi. Et cottage caramel, je voulais trop l'essayer. Celui-là il a jamais testé. C'est mon préféré dope caramel. Et celui-là il avait déjà testé, il avait adoré, donc je me suis dit que j'allais racheter celui qu'il avait adoré et le petit caramel. Ah oui, testé. Je suis content d'avoir testé. Je savais que le caramel, si j'en prenais, il fallait absolument que je prenne caramel. Ouais, et celui-là je voulais vraiment reprendre celui-là aussi. T'as très bien fait là. Cool. Trop cool. Hein. Trop cool pour moi, pour mon voyage. Bon alors, c'est le 24. Oh le 24. Le 24. Oula, je vais pas te dire. Attention, je lis la phrase. Parce que je suis vraiment le plus gentil de tous les bibus. Ah mais ça je peux pas deviner du coup.
Ah ouais, peut-être un cadre photo avec une photo de Bibu. J'étais sûre que t'allais penser à ça. Bah on dirait, il y a un truc pour cadre derrière. Moi je veux des photos de Bibu tout le temps. Ouais mais toi t'en fais pas des photos. Eh ben ouais, c'est la vie. Un petit cadre. C'est un deux en un, c'est un cadeau deux en un. Oh. Bon pour un bonsaï? Oui. Oh, c'est un bonsaï en aquarelle. C'est toi qui l'as fait du coup? Oui. Je veux quand même faire des dessins en plus tout le temps. Il demande tout le temps des dessins, mais je ne cesse de lui répéter que je ne dessine pas. Mais elle aime bien l'aquarelle. Mais à chaque fois. Mais j'aime bien colorier. Je n'avais pas envie de m'embêter à faire un dessin. Je ne sais pas dessiner. Voilà. Mais je me suis lancée dans un bonsaï parce qu'il était trop triste de ne pas avoir de bonsaï. Ouais. Parce qu'il s'en va. Donc pour l'instant, tu as le petit dessin. Et quand tu reviens, tu me donnes le petit papier bon pour un bonsaï et je t'achèterai un bonsaï quand tu reviendras. Je te le donne direct en rentrant. et peut-être que tu récupéreras l'autre, on ne sait jamais. Oui. S'il est toujours vivant. Je le récupérerai. Ça fait rien. C'est censé le faire direct? Mais je sais, moi je. Ah, ça apparaît! Et ben voilà! Ah, c'est rigolo! Ça m'étonnait que ça fasse direct. Au fur et à mesure que tu vas le voir, ça va redevenir bleu. Je prends à côté de ton bonsaï. Mets-toi 2, 3 quarts. Non, dans l'autre sens. Doucement, qu'il est brut! Tourne tout doucement. Ah, c'est très naturel, il fait le robot. Bon bah je suis désolée, ça a coupé parce que trop de cadeaux, trop longtemps, la vidéo a duré trop longtemps. Donc Bibu avait juste dit qu'il était content, surtout de ses cottages. Pas que des cottages, ils étaient devant moi, c'est pour ça que j'ai dit ça. Bon donc Bibu est content et moi, mon swap, le swap que lui m'a préparé, je l'ouvrirai le soir de Noël, le jour de Noël. Et du coup, je pense que je publierai les deux vidéos en même temps. Donc celle-ci sur la chaîne de vlog, la mienne sur la chaîne principale, donc la semaine qui suit Noël. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et on vous fait plein de bisous. Bonjour. Joyeux Noël.